Bonjour Stéphane, tu viens de réaliser une très grosse performance en terminant deuxième sur le circuit d'Albi lors de la deuxième étape de la route du Sud, la dépêche du Midi. Ça doit être une sacrée satisfaction pour toi de réaliser un si beau sprint sur tes terres. Et peut-être que tu es partagé avec la déception d'être passé si près de l'exploit. Ouais, voilà, la déception parce que ben, jusqu'au dernier mètre de l'arrivée, j'étais en tête et là, bon, ben, déçu d'être battu quand même par le meilleur sprinter mondial actuellement, je pense. Et voilà, après, bon, sur ces terres, ça fait toujours plaisir. D'accord. Mais je pense qu'avec le recul, ça sera surtout la satisfaction d'avoir fait un gros sprint devant ta famille. Ouais, c'est sûr. Après, bon, j'avais gagné il y a 4 ans devant Demar. Là, je perds de peu derrière Cocard et quand même, il y avait Demar sur le sprint. Et voilà, bah, satisfait, bien sûr, de faire un résultat comme ça devant la famille. Hein. D'accord. Et donc, cet après-midi, c'est le chrono. Quels peuvent être tes objectifs? Ben, le chrono, je vais le faire en mon train-train. Non, c'est pas une spécialité qui me tient à cœur et bon, c'est sur ma route d'entraînement, du coup, je vais le faire à ma vitesse. Tu as accepté par ailleurs de porter la caméra embarquée sur ton vélo lors du chrono. Quelles sont tes impressions avant cette expérience? Ouais, bah après, bon, c'est vrai que j'ai averti les responsables de Eurosport qu'il ne fallait pas m'attendre avec de la bave loin de la bouche. Non, c'est parce que je vais le faire, comme j'ai dit, à mon rythme et me réserver déjà pour dimanche. Ouais, très bon chrono alors, et puis on t'attend dimanche pour un nouvel exploit. C'est gentil, merci. Bonne fin de course.